cours, je vous dis d'entrée de jeu, on va enchaîner les tournages, bien évidemment, parce que c'est plus drôle quand on rate quelque chose. Donc, bah, salut à tous et à tous, c'est Arnauden, et aujourd'hui, on va débuter les news de la chaîne pour janvier 2016. Et j'ai des trucs à vous annoncer qui sont mauvais, j'ai des trucs à vous annoncer qui sont bons. Donc, commençons. Pourquoi j'étais pas là pendant à peu près 6 mois, quoi? Donc, j'étais pas là pendant à peu près 6 mois, tout simplement parce que je voulais me consacrer à d'autres choses, refonder la chaîne, etc. Je vous ai expliqué tout ça sur Facebook et peut-être aussi sur Twitter, mais bon, 140 caractères, c'est limite. Si vous voulez en savoir plus, enfin, en savoir déjà, eh bien, vous pouvez rejoindre mon Facebook qui est dans la description de la vidéo. Et donc, on va commencer tout de suite après. Quoi? Par le matériel que j'ai changé pendant ce temps-ci. Donc parce que oui, j'ai changé de matos et c'est un bon truc. Donc on va commencer par l'appareil photo qui est un Olympus. Et oui, encore un Olympus, mais cette fois-ci c'est un Olympus. Je le vois sur la boîte Pen Mini EPM1 qui est un appareil photo hybride avec objectif interchangeable. C'est bien déjà. Ça me permet de faire plus de trucs. Par exemple, le flou que vous voyez pas. Mais bon, dès que moi je vais commencer à mettre des trucs en arrière-plan, vous allez voir quelque chose qui va être flou. Et ensuite, j'ai changé quoi? J'ai changé de micro, bien évidemment. Alors, rassurez-vous, le micro, il ne va pas être là durant toute la vidéo. Enfin, dans toutes les vidéos. Il sera perché quelque part par ici. Enfin, vous ne m'entendez plus. C'est pas grave, c'est les lois du direct. Donc ensuite j'ai changé de PC et pour le PC eh bien je suis passé de Mac à PC bien évidemment parce que Apple commence à me faire chier, à me niquer moi. Donc pour le PC eh bien vous le connaissez certainement si vous êtes au collège, au lycée, à l'école primaire tout simplement. Et ce PC eh bien d'abord je vais reposer le micro, je vais ensuite... Ça a raccroché. Oh putain, vous allez voir, on va essayer de appeler ce mec. Ouais, bah moi je connais rien aux démarches administratives, ta gueule, hein. Oh là là, n'importe quoi. Je vais payer 1 million d'euros sur mon forfait, ce sera pas grave, hein. Hop là. Hop là. Alors, ce PC là, qui est un PC Dell, eh bien, non, c'est pas un placement de produit. Je vous rassure. Hop là. Donc, ce PC là, c'est un PC Dell que j'ai payé 40 euros sur eBay, la modique somme de 40 euros sur eBay. C'est un PC d'école, de professionnel, enfin dans des entreprises quoi, qui coûte pas très cher, qui coûtait 479 $ si je me souviens bien quand il était sorti, c'est-à-dire en octobre 2008. Et comme vous le pouvez le voir, eh bien, je postillonne. Mais aussi, ce PC a un chipset vidéo intégré. Donc, ce qui fait que c'est de la merde, tout simplement. Mais j'ai quand même décidé d'ajouter une carte graphique. Et c'est là où on va voir la surprise, la grosse surprise. Donc, on va ne pas dézoomer. Donc, on va zoomer quoi, merde. Donc, cette carte graphique-là, hein, je vais reprendre mon micro aussi. Donc, cette carte graphique-là, eh bien, c'est une GeForce GT610. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas très bien les cartes graphiques, je vais vous expliquer. Donc la GT610, eh bien c'est une carte graphique qui est basée sur la GT550. Donc vous voyez déjà que on s'est bien fait niquer. Elle est basée sur la GT550, mais aussi elle n'est faite que pour la bureautique. Sérieux, je savais même pas que des cartes graphiques existaient pour la bureautique, tout simplement. Non mais genre, mais... C'est-à-dire que j'ai payé 40 boules pour ça? Non mais merde, quoi! Bon, enfin, on va essayer de se débrouiller avec cette merde, tout simplement. Et on a fini, là, je crois, la présentation du matériel. Mais avant, je dois vous présenter encore quelque chose qui sont des meubles. Yes! Ah, vous êtes déçu. Donc, on va essayer de le faire rapidement, rapidos. Donc, pour continuer sur les news, eh bien, j'ai pas mis de fond de teint déjà, hein, mais surtout, je vais vous annoncer les nouveautés de la chaîne. Alors, les nouveautés de la chaîne, eh bien, c'est que la chaîne s'arrête définitivement. Ah, vous êtes pas content, alors oui.
Alors, cette chaîne ne s'arrête pas vraiment définitivement parce qu'il y aura seulement les autres vidéos et des bandes d'annonces et tout ça, etc. Comme les bandes d'annonces de la CSA. Non, je déconne. Donc, la chaîne s'arrête pour quoi tout simplement? Parce que, en fait, je voulais viser tout le monde. Mais visiblement, ça n'a pas marché puisque j'ai seulement 115 abonnés en un an et demi, tout simplement. Donc, on va continuer les vidéos sur d'autres chaînes. Plus précisément, les 8 chaînes que vous voyez dans les autres chaînes, enfin, les autres émissions. Sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Donc voilà les autres émissions. Et bien ces autres émissions, et bien sur ces autres chaînes, et bien il n'y aura qu'une seule émission par chaîne. Donc ces autres émissions, et bien elles sont bien déjà. Enfin, je sais pas. Ces autres émissions, eh bien, enfin, il faut que je commence tout, là, c'est pas possible. Donc, je disais donc que j'ai arrêté ma chaîne YouTube pour me consacrer à d'autres chaînes. Et ces autres chaînes, eh bien, dans une chaîne, eh bien, égale une émission. Tout simplement parce que je veux viser un public plus restreint, quoi, pour avoir plus de vues et plus d'abonnés aussi. Donc, c'est pour ça, c'est pour cette raison que j'ai fait 8 chaînes indépendantes de l'une des autres. Plus une chaîne, ma chaîne, cette chaîne-là actuelle, qui est pour les news de ces chaînes, quoi. Et donc, vous pouvez déjà vous abonner à ces chaînes pour voir les autres émissions. Je sais pas si j'ai été clair dans mon discours. Enfin bref, voilà, je crois que je vous ai tout annoncé pour aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez vous abonner à cette chaîne-là, mais aussi à mes autres chaînes d'émissions, quoi. Donc voilà, j'ai pas le temps de vous expliquer en quoi consistent ces émissions parce que voilà, j'ai une carte SD de 16 Go déjà remplie, mais allez vous faire foutre, bordel.